Salem. Madagascar affronte la Tunisie. Le premier quart de finale de Coupe d'Afrique pour les Baréa face à des Tunisiens habitués de champions d'Afrique en Tunisie à l'époque, il y a 15 ans. Et premier ballon dans les pieds de Ferjani Sassi avec Adadi en une touche. Qui trouve bien Sassi dans l'intervalle. Cette équipe malgache qui a l'habitude de beaucoup presser, une grosse débauche d'énergie avec une continuité, on sait, dans ce haut. Compétition. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de. Évidemment, il n'y a pas de match facile dans ce genre de. Avec ce match. Un lance de Mouezzassen avec le long ballon de Meria à plein axe. La tête de Sassi. Dans le camp tunisien. Et toujours cette idée de pressing, hein, de ne pas reculer, aller chercher la balle très haut. C'est comme ça qu'ils avaient. Ça aussi, hein, ça fait partie des petits ajustements dans les règles internationales. Nomen Djanahari dans la surface de réparation, la petite feinte de passe de Nomen Djanahari, tenter la tanoade derrière pour Metanir, ça a été manqué. Il y avait peut-être la possibilité de faire autre équipe de Madagascar est en train de réaliser une canne de grande qualité, la line à Nomen Djanahari. Il y avait peut-être un petit ballon plus intéressant à mettre au premier poteau. La vigilance de la défense malgache, il est parfaitement repris par Hazard. Ouais, il faudra lui amener du soutien, c'est ce qu'avait demandé Msakni tout à l'heure. Et à noter que dans le bus du VAR, il y a Monsieur Millot, un autre arbitre du championnat de France avec Monsieur Gorbal. Un VAR de qualité, peut-on dire. File des matchs avec ce nul d'abord face à la Guinée pour lancer ce parcours historique, la victoire face au Burundi et puis le succès bien sûr contre le Nigeria qui leur a permis de se rendre compte qu'ils étaient. Dit. Sakni en appui, Sassi. Adadi avec une Sakni. Sassi qui apporte beaucoup de justesse technique dans le cœur du jeu. Ferjani Sassi, l'ancien Messin. Entré par d'Ibrahim Amada. Il cherche au maximum à réduire les espaces d'expression des Tunisiens du côté des Baréa. De cette sortie de Nomen Djanahari avec El Sakni. Sakni, le petit ballon pour Ferjani Sassi. Oh, l'enchaînement au pivot était de toute beauté, mais ça passe juste au-dessus. On et Meria, et que Skiri se mette dans le dos d'Andri Atsima en fait, et qu'ils viennent pas chercher le ballon trop bas. Chance à volonté de l'avant de la part de l'ancien Messin Romain Metanir. Sassi. Et Shreda. Grosse activité hein, dans ces 20 premières minutes de Ferjani Sassi. L'envoie. Ouais, ça, c'est un bon ballon, très très bon ballon. Sudiem Sakni aussi. Sassi, l'appui sur Wabi Kazri, tente de se retourner en puissance. N'est pas Nomen Djanahari. Ouais, c'est très très bien joué. Réclamé un accrochage, il n'en sera rien. Récupération à Dali. C'est dommage, Xavier, que Sakni ne soit pas venu aider Kini ici dans la surface de réparation. C'est son rôle de fermer deux. Avec un peu de réussite, certes, mais important face au Mali. Il est à hauteur de Zoulouf Baya, légende. Attention à Chaïl Ali qui est très très précieux à la récupération. De Sassi avec El Sakni pour ouvrir ensuite sur Yass. Les demi-finales entre l'Algérie et le Nigeria. Ce sera au stade international du Caire dimanche à 21h. On attend des dernier et El Sakni de Melvin Adrien. Et bien récupération de Metanir, même s'il vient perdre ce ballon aussitôt. Avec Sassi qui a pu trouver la petite dernière coup là par Yassine Meria. Sassi. Dans le couloir droit jusqu'à Gueschrida. La déviation de Sassi, El Sakni. De retrouver les demi-finales, le dernier carré de cette Coupe d'Afrique des Nations. Fallait d'Andri Atsima, lui, est en train de trouver une seconde jeunesse. Il le disait avec énormément d'envie. Et vers Monsieur Alioum. Et on va sortir ce ballon parce que Wabi Kazri. Ferjani Sassi. Ah, bon ballon, ouverture, quelle belle ouverture avec la lumière.
On prend un peu les forces du côté de Madagascar. Ce porteur de balle. Je ça signe la manœuvre pour. Petit ballon pour Kazri. Sûr. Sassi. Ballon de Razak et Henri Atsima devancé par Dinamon. Kazri est trop bas sur les récupérations de balles. Point de pénalty, lui, il n'hésite pas à faire cet appel au premier poteau qui est si cher et si important dans une équipe. Teshmida Kremissi, ça avait bien fonctionné. Et oui. Qui est au premier, l'attaquant de l'Espérance. Sassi, une belle ouverture vers Yacine Kremissi. Première période. Adadi avec Sassi. Il est gêné Sassi, il est confiant ensuite par André Atsima, la frappe lointaine. Rapidement joué par Nice avec Ilaï Maritra, Chael Ali qui a pu récupérer Keshrida, Soma Adadi. Les 30 dernières secondes de cette première période. Trop favorable pour Sassi, ça l'est aussi pour. Préférer une frappe coup de pied. Oh, c'est un bon ballon. Sassi, oh, bon ballon. Excellent déplacement de Msaki, et que dire. Soma Adadi. Sassi, Elias Kiri. Il va trouver. Et ouais. Logiquement annulé. Ouais. Refusé à Wattage, mais ça ne peut pas tout dire. On le sait. Et notamment l'entame des libres égalisés. Ouais, quel contrôle de Kopsakni. Sakni, le petit ballon. Enchaîné. Sassi. Sassi attaque. Oh, il a été dévié par le malheureux Thomas Fontaine qui vient tromper son. La transmission était légèrement dans le dos. Il a pu trouver tout de même Msakni. Sassi. Adadi. Match. Pour le moment en route pour la demi-finale. Qui se profile. De Moïse Hassen notamment et de Ben Mustapha après cette décision. Naïm Sliti. Relation dijonnaise. Ouais. Nous revoici Naïm Sliti. Bien joué. Le super ballon pour Adadi. Lors de son entrée en jeu, Naïm Sliti. Portant tout ce qu'on connaît de lui, hein, sa qualité technique. On a envie de. Un peu de réussite, certes, mais un match plein de la part de Ferjani Sassi, remplacé par Karim Awadi. On ramène de la fraîcheur dans.